Le sommeil aide à garder mon teint clair. Avec le son de la télé, on dort bien. Comment veux-tu que je sorte le recyclage en dormant? D'accord, je vais aller dormir dans mon lit et non sur le sofa. Maintenant que tu m'as réveillé, je crois que ça m'a ouvert les yeux. Maman dit de sortir les boîtes de vieillerie de grand-pa. Ouais, ouais. Pourquoi je suis toujours le seul ici qui travaille? Hé, voisin! Tu m'impressionnes énormément, Joe. Je croyais pas que tu savais lire. C'était les livres de mon papou. Il collectionnait toutes ces vieilleries, mais il est mort depuis longtemps. Alors range ces livres comme il faut. Descends ces deux boîtes sur le trottoir et choisis-toi un livre de cuisine. Ah ah! Ce livre de cuisine indienne manquait à ma collection. Génial! Si tu as des questions, ne me réveille pas. Aloha! Qu'est-ce que c'est que tout ça? Où est ton poulet? C'est ça que tu appelles maître de l'ordre? Je n'ai aucune idée de qui a fait ça, mais ce n'est pas moi. Tu étais le dernier dans mon grenier à ranger ces livres. Et regarde ce que tu as fait à la place. Tu ferais mieux de tout ramasser. Je n'ai pas à avoir honte parce que ce n'est pas moi. Est-ce que nos paroles de poulet ne vaut plus rien? Ton aide pour tout ramasser sera bien appréciée. Merci beaucoup. Pour la dernière fois, je te jure que ce n'est pas moi. Et pourtant, tu sais combien je suis allergique à l'effort. Tu vois, c'est à cause de Joe, ce désordre. Son père avait très bon goût pour les livres de cuisine, mais on dirait qu'il a oublié de lui montrer à nettoyer. Quoi? Êtes-vous devenus fous, les gars? Qu'est-ce qu'il y a? Mais... minute. Si vous êtes là, qui est-ce qui nous lance tous ces livres de là-haut? Ok, on se sépare et on trouve ce mauvais farceur. Je ne serais pas surpris qu'on trouve toute une famille de mauvais farceurs dans ce fourbi. Walter, ne touche pas à ça! Quittez mon domaine! Papa! Les femmes et les poulets d'abord! Incroyable ce qu'il y a comme poussière! Ha 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 ha
Mon cher papa adorait ces vieux trucs. C'était un homme qui collectionnait tout et qui refusait de jeter quoi que ce soit. Tu veux dire que lui aussi était malpropre? Maintenant qu'on a recyclé toutes ces boîtes de vieilleries, papa doit être fâché qu'on ait gardé juste ses livres. Merci beaucoup. Bien sûr, on me blâme d'avoir réveillé un fantôme qui est fâché parce qu'on recycle ses affaires. Oh, je le connais, papa. Il n'arrêtera pas tant que le quartier ne sera pas enseveli sous les déchets. Laissez-nous une place, poussez-vous. Encore toi. Tu dis déchets comme si ce n'était pas bien. Ce n'est pas ce que j'appelle régler le problème, si tu veux savoir. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Nous, on ne bouge pas de là. Mais fais vite, c'est incroyablement poussiéreux ici. Je ne retournerai pas là-dedans sitôt. Je suis là pour rester. Qu'est-ce que c'est que ça? Recyclage? Fais pas ça, moi. Je ne réutilise rien. Je ramasse tout et je laisse pourrir, voilà. Tu n'as pas le droit! Il n'y a plus de danger. Tout nettoyer maintenant? Tu voudrais pas plutôt aller faire une petite sieste? Nettoyer, oui. C'est aussi très relaxant. Bon, est-ce qu'on peut aller dormir? Oh!